Mes vidéos du CES 2018 vous sont présentées par Overclocking TV, Overlay.live et TELUS. Salut à tous, ici Carl, on se retrouve au CES 2018 chez Cooler Master pour vous présenter Overlay.live. Isaïe, peux-tu nous parler du projet? Overlay.live, c'est une plateforme qui est pour faciliter la vie des broadcasters. Ça permet de récupérer des données qui ne sont pas dans le système, qui ne sont pas accessibles directement depuis le système ou quand le système redémarre. On a justement développé cette plateforme Overlay.live pour résoudre certains de ces petits enjeux-là et fournir un meilleur type de contenu pour les différents broadcasters comme Wizarty. Sur quel matériel est-ce que Overlay.live est basé? Comment on peut y accéder et s'équiper du système? Aujourd'hui, on est sur le stand Cooler Master. C'est pour montrer que la plateforme Overlay.live, elle est compatible avec les alimentations Master Wattmaker. Je sais qu'il y a la 1200 et la 1500 qui sont déjà compatibles, déjà disponibles sur le marché. Et ça représente aussi, il y a d'autres types d'éléments qui vont être, qui sont déjà supportés. Quelque chose qui s'appelle le Tevo X2. Donc, c'est deux probes de température avec deux types de connexions et des pour avoir du voltage des différentes cartes mères. Et il y a aussi le ROGX qui est en collaboration avec Elmore Labs qui permet de lire les différentes informations provenant des cartes mères ROG. Donc, genre par exemple le debug code, le boot de démarrage, on est capable de les avoir même quand la plateforme elle est en train de démarrer ou qu'elle est stock dans le BIOS. Et quand on récupère toutes ces données-là, ça va où et comment on les intègre dans notre contenu? Alors c'est très simple, ça marche comme tous les types d'overlays qui existent pour OBS. Je dirais pas de nom parce que je vais me retenir de dire les noms, mais vous connaissez bien tous les systèmes d'overlay qui existent pour les différents streamers. C'est le même concept, les données sont récupérées via un Raspberry Pi ou via un device connecté, c'est envoyé directement dans le cloud et vous pouvez réutiliser ça sur une page web et directement la mettre dans vos différents overlays, dans vos scènes sur OBS par exemple. Tant que ça passe par le cloud, j'imagine qu'il y a une certaine latence. À quoi ça ressemble à ce niveau-là? Alors, la latence, on demande aux gens d'essayer eux-mêmes. On s'aperçoit que c'est quand même assez rapide. Par exemple, ici au CES, donc on est à Vegas, on a fait exprès de mettre un serveur en Europe pour faire qu'il y a une... ça parte jusqu'en Europe et que ça revienne jusqu'ici. Et on est en dessous, des 200 millisecondes de latence, qui est concrètement pas mal la latence de l'Internet pour aller jusqu'au serveur et revenir. On a déjà fait des tests et on est extrêmement rapide sur une version locale où quand on a justement les serveurs localisés géographiquement, on atteint, bon, en fait concrètement, c'est 5 millisecondes de plus que l'Internet. OK. Puis si on veut s'inscrire et découvrir le projet Overlay.live? C'est Overlay.live. Vous pouvez vous inscrire directement avec un compte. La bêta est ouverte à tout le monde. Ça, vous pouvez le faire avec un compte normal. Vous pouvez connecter votre compte Twitch aussi si ça vous tente pour le faire directement avec votre compte Twitch. Et très important, si vous avez un Raspberry Pi chez vous que vous avez acheté à un moment et que vous n'utilisez pas, bah, c'est pas mal la meilleure façon de le faire. C'est plug and play. Vous prenez l'image, vous la copiez sur la carte SD et tout le reste va se faire automatiquement pour vous. Fait que, allez-y, n'hésitez pas, overlay.live. Et si vous avez, quelles que soient les questions, il y a toujours le forum qui est là. On est souvent disponible avec... les gars de la team sont tout le temps disponibles pour le faire. Isaïe, merci beaucoup. Plaisir, Carl. Sur ce, moi, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais présenter de Overlay.live, mon partenaire principal pour le CES 2018. Je vous invite à voir le lien dans la description et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!